Eh bien salut tout le monde, c'est Constance, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pardon sur la chaîne débrief. Donc du coup on se retrouve pour mon avant-match entre Metz et Ajaccio. Du coup je vais vous donner les compositions, mon favori et bien sûr tous ceux qui vont donc être là ce soir pour du coup voilà. Donc je vais vous donner toutes les stats. Alors également, voilà, donc le match est dans 5 heures. Je vais vous donner au classement. Du coup, nous sommes 3e avec un sans faute. Donc on a fait une victoire contre Brest, une victoire contre Orléans, une victoire contre Clermont, une victoire contre Grenoble en Coupe de la Ligue. Du coup, ça va, on est bien. Du coup, on est 3e du classement de Ligue 2. Avec notamment, alors Ajaccio, ils sont 14e, ils ont gagné qu'une seule fois depuis le début du championnat. Du coup les gars, meilleur buteur côté messin c'est Diallo avec 5 réalisations et Cavani en 3 matchs il en a planté qu'un seul. Voilà, donc du coup pour nous les gars ça devrait aller, peut-être qu'on essaiera de gagner ce match. Donc du coup je vais vous donner la composition du FC Metz. Pour commencer on va honorer le FC Metz. Dans les buts Okidja, malgré que Paul Delacroix aurait fait une très belle rencontre contre Grenoble. On peut remercier Ibrahim Agnan. Du coup, à droite, ça sera Rivierez. À gauche, Mathieu Hudol. Zenzu et Boy en défense centrale. Au milieu de terrain, alors comment ça va se disposer? Est-ce que ça va être en 4-2-3-1 ou en 4-3-3 pour Frédéric Antonetti? J'en ai aucune idée. Parce qu'il nous montre pas, du coup, c'est une feuille comme ça en fait. Voilà, donc du coup, je pense que ça va se disposer en 4-3-3. Ou en 4-2-3-1, je vais voir. Écoutez les gars, je ne sais pas. Du coup, au milieu de terrain, il y aura du Fofana, du Coad et du Ngmbane qui va avoir sa première titularisation en Ligue 2. Farid Boulaya sur les ailes avec Nguette et Diallo en attaque. Côté Ajaccio, ça va être Benjamin Leroy, Avinel, Boykan, Choplin, ancien Messin, Ercole, Nouri, Cavalli, Lejeune, Dembélé, Youssouf et Mendes. Voilà, donc je vais vous donner aussi le banc. Donc comment ça serait le banc disposé si, sauf s'il y a un blessé du côté messin ou du côté ajaccien. Donc du côté de Metz, je vais commencer par le gardien. Donc ça sera Paul Delacroix, il y aura Abli Jallois, Gauthier Hein, Jamiro Montero, Marvin Gakpa qui ne sera donc pas titulaire selon l'équipe. Laurent Jans, il ne sera pas titulaire non plus. Ibrahim Agnan, auteur de 2 buts en Coupe de la Ligue. Et Emmanuel Rivière. Voilà, donc du coup, du côté ajaccien, ça sera. Donc pour le gardien, je pense que ça sera Sola Caro, Marin, Lassie, Kaby, Tramouni, Pellegrini et Guimbert. Du coup, voilà. Du coup, pour le petit avant-match, voilà. Les résultats, donc les derniers résultats qui ont été. Bon, Metz, alors, bon, ça, les résultats, je vous le dis pas. Du coup, pour l'instant, nous, on part quasiment favori de cette rencontre. Parce que on peut voir que nous, on est sur une série de très. De. 1, 2, 3, sur 4, 5 victoires. Plus celle contre Grenoble en Coupe de la Ligue. Et Orléans, on fait 2 défaites, 2 nuls et 1 victoire. Du coup là, je pense que nous on part favori face à Ajaccio. Donc j'espère qu'on va gagner. Donc n'hésitez pas à venir ce soir sur le live. Donc Metz Ajaccio, je diffuse le match sur la chaîne Gaming du coup. Donc les gars, j'espère que ce petit match vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous souhaite un très bon après-midi et à ce soir pour le match. Salut, ici c'est Metz et allez Metz et on y croit pour le maintien et on y croit aussi pour la montée, pardon. Allez, salut!